faire décoller ça. Pêche 2.0 activée. Oh, c'est beau. Donc en face de moi, il y a pas mal d'herbiers. Là, il y a une grosse tache sur la gauche. Pareil, il y a un beau chemin à pêcher. Bah, je crois qu'il y a un poisson. Je crois qu'il y a fiche là. J'essaie de faire un petit zoom. Ouais. Oh oui. Oh là là. C'est bon ça. Donc déjà, sur cette... Ça fait un espèce de grand chemin en face des... Entre les herbiers. Et là, on l'a bien vu se retourner, la carpe. Je pense déjà, je vais faire un petit amorçage ici, une canne en vitesse, le temps de m'installer. Là, il y a un petit poste. Là, je vois une petite tache juste devant des roseaux. En bordure comme ça, ça a l'air pas mal aussi. C'est carrément la bordure d'en face. Là aussi, il y a poisson. Je sais pas si vous la voyez. Pas si c'est la même ou quoi. Donc c'est juste en face de moi. C'est vraiment juste là quoi. Les gars, là je suis sur le drone et le remous il est juste là. Regardez, je sais pas si vous voyez le drone là et les remous là. Juste ici, là, à 3 mètres de moi, c'est la carpe. Je la vois encore. Hein. On voit sa dorsale sortir de l'eau. Oh, c'est incroyable. Donc pour la canne que je vais placer sur ma bordure d'en face, là, je vais y mettre un petit dumbbell rose. Avec une petite tiger que je vais couper pour la rétrécir un peu. Voilà. Je vais la repiquer correctement. Ça va donner ça. Donc pour l'accrocher sur l'hameçon, j'utilise le bait floss de chez Corda. Il suffit juste de hop, rentrer dans l'anneau. Bien tendu, il manque juste à mettre le petit coup de briquet. On écrase bien. Et voilà, ça bloque le montage. Donc dans l'eau, ça donnera ça. Je sais qu'il raffole de la tiger ici. Donc ça devrait bien se passer. Un peu galère pour partir avec le zod. Là, je suis obligé d'esquiver un peu... De slalomer entre les herbiers. Donc c'est juste ça l'inconvénient. Mais une fois passé, c'est bon. J'arrive sur la partie des roseaux là avec le drone. J'avais vu une tache. Donc j'espère que je vais la voir parce que j'ai oublié le téléphone là-bas sur le poste pour regarder avec le dipper. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Je devrais bien la voir. Ça fait une grosse tache de sable toute propre.
Donc je sais pas si c'est une zone où ils viennent s'alimenter ou... Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond. Là, je sens c'est tout dur. Donc j'ai monté deux cannes en tresse, mais j'avais pas commandé assez de tresse, du coup je peux pas faire ma troisième et elle restera en nylon, hein, c'est pas grave. Donc dessus je vais lui mettre un petit lit de corps. Hop, voilà, petit montage de 15 cm. Toujours en spinner rig. Plomb inline. Et ça c'est le lit de corps. Pour que le montage soit bien plaqué au fond. Plus qu'à raccorder le lit de corps au nylon. Hop, voilà. Pour cette canne, je vais essayer d'aller avec le dipper chercher un poste en pleine eau, derrière les herbiers là. Pour ma canne du milieu, ça sera bien, je pense. Donc, je lui mets une pop-up toute fraîche, pop-up rose comme d'hab. Elle est dipée, ça sent fort. Et je vais aller faire un petit tour. Et je vais aller faire un petit tour en face de moi avec le dipper. Donc là, j'ai passé tout le tas d'herbiers. Là, ça fait un fond tout propre. Et à peu près 1,80 m, 2 m. C'est pas trop de la vase. Donc je pense que je vais poser ma troisième canne ici, là. Je vais mettre un peu de tiger. Pleine nuit, ça va être marrant s'il y a un départ de slalomer entre tous les. De toute façon, je mettrai pas le moteur, ça c'est sûr. Ça fait vraiment des gros herbiers jusqu'en surface. Bien là, ça. Sur ma canne au milieu, je vais lui mettre un backlead parce que si je dois partir avec le Zodiac, elle coupe un peu tout le travers là. Au moins là, le nylon il sera coulé, je pourrais aller tout droit. Hop.
accroché, voilà, comme ça le nylon il est bien plaqué, je pourrais y aller au cas où. Les amis, j'étais en train de vous présenter les appâts que j'utilise pour cette session. Donc c'est un fabricant à côté de chez moi, ça fait maintenant quelques années qu'il fabrique ses produits, donc j'ai voulu tester. Il m'a gentiment fait un petit code de réduc pour que je puisse tester et vous présenter ça en vidéo. Donc moi j'ai pris 2,5 kg de bouillettes de la gamme Monster Nuts, en fait c'est Scopex et Tiger Nuts. Donc je sais qu'ici ils aiment bien la Tiger, les carpes, donc j'ai pris ce mélange là. Pour 2,5 kg, franchement ça revient pas cher du tout. J'ai payé 23,99€. C'est livré dans un sachet zip, on peut faire jusqu'à 50 kg sur commande. Donc franchement c'est top. Et ce que j'ai trouvé super sur le site, c'est qu'on peut choisir notre pop-up au parfum qu'on veut. Donc moi je sais que j'aime bien la couleur rose, donc quand on va dessus on choisit son diamètre, le diamètre qu'on veut, donc possible en 10, 12, 15, 20 ou un mélange d'un peu de tout. Et surtout on peut choisir le parfum, donc moi j'ai pris Tiger Nuts pour aller avec les bouillettes que j'ai choisies. Donc c'est des pop-up qui arrivent déjà dippés et tout, franchement ça c'est le top, et chacun peut choisir sa pop-up de couleur qu'il veut. Donc ça j'ai vu nulle part ailleurs, franchement c'est super. N'hésitez pas à aller faire un tour, hein. Je gagne rien à vous présenter ça. Mais je trouve que le prix et ce système de pop-up qu'on peut choisir son parfum, franchement c'est top. Bon bah voilà, la soirée elle a été très calme. Cette nuit j'ai été réveillé par cette belle commune à 3h du matin. Magnifique commune. Elle m'a fait un beau combat, j'ai dû aller la chercher en Zodiac. Avec tous les arbis, impossible de la ramener. Très beau poisson. Donc elle est partie sur ma canne que j'ai placée en pleine eau, juste derrière les herbiers à 1,80 m de profondeur. Tonton ma belle. Allez. Magnifique, merci de m'avoir rendu visite. À la prochaine. Donc depuis ce matin, j'observe plein de fouilles, plus sur ma partie gauche. Moi, je pêche en face de moi et sur toute la partie gauche, il y a des fouilles partout de carpes, c'est incroyable. Avec le drone, je vois aussi les grosses carpes juste à gauche sur les herbiers. Donc je pense que je vais laisser pêcher comme ça une bonne partie de la journée. Et dans l'après-midi, je pense que je vais modifier au moins deux cannes. Celle qui est partie en pleine eau, je vais laisser pêcher comme ça. Et je vais modifier deux cannes pêchées sur la partie de gauche. Parce que là, j'ai vu des fouilles, c'est incroyable. Donc voilà, en tout cas, la petite carpe de cette nuit a fait plaisir. Je suis parti en Zodiac à 3h du matin. Elle a été tankée dans les herbiers juste devant. Et ça va, j'ai pu bien la sortir une fois que je suis arrivé au-dessus d'elle. Donc voilà, 14 kg. J'aimerais bien,
J'aimerais bien faire une plus grosse. Je vais continuer à bien observer les temps, voir un peu ce qui se passe là sur ma partie de gauche. Et dans l'après-midi, il faut que je modifie cela. Il y a un gars qui est venu me voir ce matin, il est au poste 15 de l'autre côté de l'étang, il a fait un amour blanc de 27 kilos. Incroyable. Mais sur tout le reste de l'étang, je vois rien, il n'y a que la partie à gauche là-bas, il y a encore des fouilles là. Donc je pense que si j'arrive bien à placer les cannes cet après-midi, ça devrait dérouler vers là-bas. On va croiser les doigts, hein. J'espère qu'ils vont se diriger un peu plus sur la droite. Il y a mon amorçage en pleine eau. On verra bien. En tout cas, je vais mettre la GoPro sur moi, comme ça, s'il y a un départ, je vais essayer de vous filmer ça quand j'irai en Zodiac et la chercher. Bon, j'ai préparé la petite cheminée. Plus qu'à mettre le fromage. Ça va être pas mal, ça. Hop. Un peu de chaleur là-dedans. Ça va être bon, ça. Un peu de charcuterie, tout ce qu'il faut. Il est déjà midi. Je vois plus d'activité. Donc je pense que j'ai loupé l'alimentation de ce matin. C'est un peu dommage. Je vais bien replacer les cannes cet après-midi pour que cette nuit et demain matin, ils soient bien où j'ai vu l'activité. Et ça devrait le faire là. Je suis assez confiant après ce que j'ai vu. Et bien manger, faire la sieste et je replace tout ça. Allez, bon app, hein. Oh, dinguerie ça. Alors je sais pas si vous voyez les gars, je suis en train de déposer quasiment sur des carpes là. Hop, j'ai lâché. Ça n'a pas l'air de les avoir trop gênés. C'est juste là, hein, allez, je sais pas, 10 mètres. Le drone, il est juste au-dessus. C'est rempli de carpes, même sur la gauche et tout. Je vais chercher le piquet pour mettre mon détecteur. Et je vais surveiller sur le drone si ça part ou pas. Allez. Voilà, j'ai mis mon piquet. Il n'y a plus qu'à attendre. On voit la queue de la carpe qui sort de l'eau de temps en temps. Bon, il y en a trois qui sont partis, mais il y a peut-être moyen qu'ils reviennent. Donc je vais changer la batterie du drone parce qu'il n'y en a plus. Et je retourne voir s'il y a un poisson qui se rapproche. Bon, encore un changement de tactique. Vu qu'ils s'alimentent pas là-bas, ils sont de repos. J'ai vu des grosses carpes encore passer en bordure. Et c'est assez propre d'y pêcher. Donc j'avais jeté quelques bouillettes avant que je les voie passer. Ils sont vite arrivés. Du coup, j'ai placé une canne juste avec une pop-up. Je vais mettre des bouillettes un peu partout. J'aimerais bien qu'elle revienne. Si elle repasse, elle verra la pop-up bien plus haut. Je vais m'éloigner un peu. Avec les lunettes polarisantes, je les vois bien. Donc j'espère qu'ils vont revenir, qu'ils vont repasser sur la zone. Une grosse carpe, elle devait faire facile, minimum 20 kilos. Elle s'est retournée devant moi, j'ai vu son gros ventre.
On va prier pour qu'elle revienne. Il y a une carpe. Elle est passée juste devant la pop-up. On dirait qu'elle mange les bouillettes que j'ai jetées. C'est une coco. On dirait qu'elle mange les bouillettes. Vous la voyez là? Allez, retourne-toi. Oui. Avance un peu, ma petite. Elle s'en va. Bon, c'est pas la grosse de tout à l'heure. C'est pas la grosse de tout à l'heure. Dommage. Elle est juste devant là. Juste devant ma canne. Elle a touché le fil. Elle a touché le fil, elle s'en va. Bon, c'était une petite. Au moins, ça plaira à une plus grosse, j'espère. Énorme carpe. Oh là là, je sais pas si vous la voyez. Elle est énorme. Elle remue toute la vase, je sais pas ce qu'elle fait. Elle est énorme. Elle est partie en dessous l'arbre, au frais je pense. C'est le seul coin à l'ombre de l'étang. Je vais lui mettre quelques bouillettes dans ce coin là. Comme ça elle reste sur la zone. Oh, elle doit faire les 20 kills. Facile. Hop. Un peu de Monster Nut. Je vais les écraser pour qu'ils diffusent direct. Hop. C'est la même que tout à l'heure. Il y a encore un nuage de vase là. On voit quelques fouilles, donc je sais pas si c'est elle ou pas. Bon, du coup, je suis en train de chercher un spot où j'ai vu les fouilles ce matin. Donc sur ma partie gauche. Là, il y a encore des herbiers en dessous. Je recherche un fond assez propre. Donc, j'avais repéré les herbiers là. Ça fouillait toute cette partie là. Donc là, ça commence à être pas mal, 1m60. Non, il y a encore des herbiers. Oh, là, ça m'a l'air assez propre. Un petit herbier par-ci, par-là. Je vais essayer de vraiment trouver un trou. Bah ça y est, j'ai été redéposer mes cannes. Donc sur la partie de gauche où il y avait toutes les fouilles ce matin,
Comme ça, je pense que ça va bien pêcher cette nuit. Je vais laisser jusqu'à demain matin. J'espère faire encore au moins un départ ou deux. La journée, c'est très dur. Je vois les carpes stagner avec le drone dans les herbiers. Elles bougent pas du tout, elles s'alimentent pas. Il fait beaucoup trop chaud là. Il fait 30 degrés environ. L'eau, elle est déjà à 25. Donc j'ai essayé, j'ai toujours laissé ma petite canne sur la bordure derrière moi. Là où j'ai vu la grosse miroir passer, elle faisait au moins 20 kilos. Donc je l'ai vu revenir, hein, mais elle n'est pas très, très intéressée à se nourrir. Donc je vais la laisser jusqu'à ce soir, on verra bien. En tout cas, merci à tous qui me suivent, hein. Continuez de vous abonner, ça fait super plaisir. Faut vraiment que je me mette à faire plus de contenu, plus de vidéos. Merci à tous qui mettent des commentaires sur chaque vidéo. Et je sais pas quoi vous dire de plus, hein. Ça fait bizarre de parler à une caméra. Mais en tout cas, merci à ceux qui donnent la force. Moi, je fais ça, c'est juste pour plaisir, c'est juste pour vous partager un peu ma pêche. Je suis quasiment toujours tout seul, donc autant je fasse du contenu, quoi. Dites-moi ce que ça ferait plaisir si j'ouvre une petite boutique de t-shirts. Avec mes t-shirts à moi que je vais faire, histoire que je puisse continuer à vous faire plus de vidéos, parce que c'est quand même un budget de venir dans un étang comme ça. C'est 70 € les 48 heures. Après, il y a tout ce qui est les repas, tout ça. C'est vite fait un week-end à 100 € quoi. Donc n'hésitez pas à me donner des idées, ce qui vous ferait plaisir. Dans pas longtemps, non, là je pars 2 semaines en vacances. Normalement, quand je rentre, je vais recevoir des articles d'une marque qui m'accompagne jusqu'à fin 2024, là. Donc, je vous présenterai tout ça en vidéo. Ils ont été super sympas. Ils m'ont offert quelques cannes à carpe. Donc, j'ai pris des cannes en 13 pieds. Quand je vais faire les enduros, vu que j'ai que des cannes 10 pieds, là, ça me permettra de jeter un peu plus loin. J'ai pris une canne à spod aussi, à spodé. Qu'ils avaient plus en stock, du coup ils m'enverront plus tard. Et j'ai pris une autre épuisette. Ils m'ont envoyé aussi une bassine, un tapis de réception. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. En tout cas, c'est super cool de leur part. J'aurai un code promo aussi si vous voudrez acheter sur leur site. Franchement, c'est des bons articles et pas cher. Donc je vous dirai la marque et tout quand tout sera fait. On va croiser les doigts pour faire un poisson ce soir. Ce soir, cette nuit et demain matin, ça serait le top. Faut que je parte demain à midi parce qu'il y a des gars qui viennent prendre le poste. Donc je vais me lever tôt, je vais tout remballer. Je vais laisser pêcher les cannes jusqu'à midi. Et puis après, je partirai. Donc il y a de quoi faire largement mon record ici. J'aimerais bien le battre cette nuit, quoi. Et ça, c'est vraiment ma pêche. La pêche en zodiaque dans les herbiers, trouver des trouées, trouver les carpes. Galérer comme ça, franchement, moi, c'est ma pêche. C'est ce qui me plaît. C'est ma pêche en zodiaque, il n'y a rien de mieux pour moi. Aller déposer les cannes à vue, comme ça et tout. Allez, je vais aller voir s'il y a un peu d'activité. Je vais ranger 2-3 trucs et on se reprend. Eh ben, j'étais en train de faire la sieste, les gars. Je peux vous dire que ça m'a réveillé. Oh, la pop-up, elle est restée là. Oula.
Bon ben voilà, je suis dégoûté, j'ai un bug son sur quelques-unes des vidéos. En fait, j'ai la GoPro qui est tombée dans l'eau. Donc je suis assez dégoûté, c'est que sur une petite partie des vidéos. En tout cas, belle carpe cuir prise juste sur la bordure à 1 mètre du bord. Magnifique poisson. Je rejette un peu de bouillette partout sur la zone pour laisser les poissons sur le coup. Et donc voilà, j'ai mis juste la petite pop-up rose fluo de chez Devorbait. Montage spinner rig tout simple avec un petit coup de spray qui est disponible aussi sur le site Devorbait. C'est un spray Scopex. Et je replace la canne. Il y a les carpes, les gars, qui sont à 2 mètres de ma pop-up que j'ai mis en bordure. Il y a 4 carpes, je crois. 4 ou 5. Ils sont à quelques mètres. Donc je viens de rejeter des bouillettes. J'aimerais bien qu'ils se rapprochent. Oh, magnifique. Il a l'air d'en avoir une belle dans l'eau. Une grosse. Dès qu'il se rapproche, je rallume la GoPro pour garder un peu de batterie. Bon, il est 7h du matin. Bon, il est 7h du matin, les amis. J'ai eu un départ sur la canne de droite. Ça s'est tanké directement dans les herbiers. Je vais essayer de me rapprocher doucement. Je sais pas si c'est des crocs ou pas. Allez, dessus. Oui.
Allez ma belle. Bon bah voilà les gars. Voilà les gars, poisson de folie. 25 kilos. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis comme un ouf. Ça se voit que c'est un vieux poisson. 25 kilos les amis. Je vais essayer de vous la tourner. C'est kilo les amis. Merci ma belle. Bon les amis, on est clairement sur la. Bon les amis, on est clairement sur ma meilleure session. Donc ça a commencé hier avec cette commune de 14 kilos. En plein milieu de la nuit, j'ai dû aller la chercher en zone. Elle a été tankée dans les herbiers, donc déjà ça commençait plutôt pas mal, j'étais confiant. Après j'ai rien eu du tout le matin, j'ai vu plusieurs fouilles, donc j'ai mis le drone, j'ai vu que les carpes ils étaient sur ma partie de gauche dans les herbiers, ils bougeaient pas. Du coup j'ai mis une canne à 1 mètre du bord et il a fallu quelques heures pour faire cette magnifique cuire de 14 kilos, pareil que la première. Donc tout se passait bien, en observant bien le matin, j'ai vu qu'en fait ils se déplaçaient de ces herbiers-là pour longer la bordure du bord et se déplacer comme ça dans l'étang. Ils sortent pas complètement parce que les gars derrière moi ils ont rien fait du tout, en face là-bas il a rien fait je crois. Du coup ils bougent juste un peu des herbiers. Et il s'arrête pile devant moi. Donc j'ai fait un bon amorçage hier soir, juste en sortie d'herbier pour les piéger. Et pas louper à minuit, départ. Donc j'arrive à la ramener du bord sans monter sur le Zod. Et là, magnifique miroir de 19 kg. Donc mon record, j'étais à 18. Là, 19 kg. Je l'ai mis en sac pour faire une photo le matin au réveil. Mais malheureusement, elle m'a défoncé le sac et elle est partie. Elle m'a défoncé le sac de conservation et elle est partie. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu déçu parce que c'était mon record. Mais bon, ce qui me sauve, c'est que dès le matin, 7h30, je suis réveillé. J'entends quelques bips. Bon, je m'approche des cannes. Ça commence à dérouler un peu, en contact direct avec le poisson. Je pars en zodiaque parce que pareil, c'est ma canne de droite qui est, c'est ma canne de droite que j'ai posée derrière les herbiers. Donc tanké, je vais la chercher en zodiaque. Je vois une magnifique miroir remonter. Ça se voit que c'était un vieux poisson. Elle était pas mal abîmée quand même. On voit qu'elle a vécu. Je me rends pas compte tout de suite, je pense que c'est un record, peut-être encore battu, plus de 19 kilos.
mais je m'attendais pas à qu'elle fasse 25 kilos, incroyable. 25 kilos, je suis monté d'un level. Ça me plaisait bien de monter petit à petit. J'avais fait 16, 17, 18, 19. Je voulais faire 20. Et là, je tape 25 kilos d'un coup. Pff, incroyable. Surtout que je suis le seul à faire du poisson sur l'étang. On est trois pêcheurs. Donc là, franchement, session réussie. Et voilà, les amis, vous me direz ce que vous avez pensé de la vidéo. Je pense qu'elle sera pas mal. J'ai essayé de tout filmer à peu près. À un moment, bon, il doit avoir quelques loupés, mais bon, tout seul, c'est compliqué. Même pour prendre des photos des carpes, bah, du coup, je prends des captures sur la vidéo. Ça me fait pas des photos magnifiques, mais bon. Et voilà, là, il est 8h, il y a des pêcheurs qui arrivent à midi. Donc, j'ai déjà quasiment tout remballé. Je laisse les cannes pêcher jusqu'à 11h30, je pense. Et je finirai de tout ranger après. Donc voilà les amis, abonnez-vous, commentez, surtout commentez. Dites-moi si vous voulez plus de sessions comme ça. Et on se dit à la prochaine, là je pars en vacances 2 semaines. Dès que je rentre, je refais une session. Pas ici, je pense dans un autre étang. Et voilà, je vous dis à bientôt les gars, ciao ciao.